na si khokho Wetunye fe wokata nama Woneka yete bubu Metodo kinye kata nawo Yesiye Comme ce corbeau innocent.
Il a eu pitié de nous. Il a donné sa vie. Oh, pour vous n'avez pas collé un dia. Si vous n'avez pas collé un dia. Mando robo shanda da baya. Le Yesu van kame. Oh, Jesus. Oh, ami Yesu va olé un dia. À qui pouvons-nous te comparer? Mie Dieu Godo. Nous t'avons cherché. Mie Chonwo Sokpakliwo. Nous avons comparé des choses. Mie Globe et Yakle Keme Anyewo Yehowa. Nous avons dit telle ou telle chose serait. Gake mi me kwe o. Mais on ne l'a point. Mie Dieu le nous wame. Nous l'avons cherché dans la création. Le lolome. En amour. Le nounyame. Le hoti papa me, le gagne nye me, le nousse me, ou de kakwe nye fia. Mie de taguna ou le undia, e ye mie suba ou. Et ou de kai hike goni akata le suba ou le undia. Toi seul vénère le monde entier. Ou de kai enou ou akata le de taguna le undia. Toi que se prosterne la création ce matin. Le America. Aux États-Unis. Le Asia. En Asie. Le duo katamea. Dans tous les pays. Wo de kai gbogbo katam le dolina. À toi tous les langues crient. Et yo le gbogbo be koku. Et toutes ces langues te disent. Koku na fia odi fia. Koku na levi ma di fon la. L'agneau innocent. Et we chebe wa suba. Et la be do il ne va wona mia. Closa lo plesika. L'or et l'argent. Et gakpe akpe akpe o. L'argent des milliards. Avobe gao. L'argent des pas. Closa lo be gao. De l'or. O matem aple o. Ne peuvent payer le prix. Yet soumie suba o le odia. Mie due jesi wo do o na o. Nous avons notifié. Le mi ape akpe o me. Akpe na o. Merci à toi. Boubou na o nko. Suba suba e je na o da. Dig etude d'adoration. Nou katape ji ile asi o me. Va yeji, eye na wenu, bena bubu na anye tau, akpe na oda, akpe na oda, le Yesu Christo pen kome. Amen. Deja po, asikpe na Yesu la, afwene. Aleluya. Awo, aleluya. Est-ce qu'il y a des personnes bénies? Ceux qui sont sanctifiés et purifiés. Alléluia! Amen! Tu es béni ce matin. Nous allons continuer présents et recevoir les témoignages. Mi me khona me wuna evo ke ma mi atore pom le kho pe megbe ha ba mi akho me ka pe mi atokwa evo sur la croix il a versé son sang pour mes péchés. Désormais j'ai la vie en Jésus mon sauveur. C'est pourquoi je le chante. Chante avec moi. Je le chante. Sur la croix, il a sauvé pour moi. Sur la croix, il a laissé son sang pour mes péchés. Désormais, désormais. J'ai la vie en Jésus, mon sauveur. C'est pourquoi je chanterai toujours. Encore une fois, sur la croix, il a souffert. Désormais, désormais, j'ai la
Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Mama mi de kuku ka Yesu na o. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ma won garden am. Ma globe fe ke mi je vaia. Mi to le vaia. Fo ke mi to le vaia. A wo le va tu. Ma globe don gbe josro. E gbe josro do do pe na. E do do pe na ma. No ke nti vovo la le o. Mi po de mi anu ke gbe do do pe. Ah. Présentement to cha mi po de mi anu no. Whatever may be now, and move a jolly dope, I can't hang up for a dope here, a joy back, Bena Mewa. Vadu Gal, if your hog book could talk again, go over church in ye, and move a chicana hanya. Young Glorodia, by Tibia Soka, Dodamo. Bwang Kobe Chaka Chaka de Gona. If your hog back click on a hocking higher in your mag by ten remo. Obe yo ale wa tu en fuju jo ba toaji le fie en va o litire kale toaji em jo kaka maya e wa litire kamu ye wa litire ka no mu le tro em le favi fio ho le dun funa nene amo le po jinye ke gbo mu le dunu e va va me bena mi je litire fe go me poa. Et quoi après non y'a des gens. Mais papa de veille quoi fia. Va se faire numéro d'arrêt. Mais et quoi que bavana. Mais y'a ma va quoi. Et mais oh, papa Jessima. Et bien tiens, mon y'a de quoi va se numéro sort d'arrêt. Et bien y'a encore y'a des gens. Ou y'en a y'a des Mathias non. Mais y'a ma va, n'y'a va ma y'a 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 va d'agbana. Nya te pe mu fuju yi ke fuju ya yo son me ruana ye mu yue be va po ebe agbanene ma ko embe obe clear cham po la signore be agbanene ma ko fi abe ma no ko de ka de ka ebe o po embe ki wan ni ma tro ya hume ni ma buta me après 3 jours ni ma tro yue ni ma nya ne ke ma ko be yo em jo po ke mba mla nya. On pose le cabé ma ouso nous ça peut garder là. Bene nyento mu odo ma ba no telephone bi ma gba so client de peko. E mbe nya o nya te pe a. Pom le glo le drum ne ne ko a. E pom fo ba fie. Nya te pe a kaka on keke to a pe 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 a. Te pe to a yon. Be nyi de na gba ne sa mbe eh. E be fifi a yen gba ja no e me te pe a. E ye ji be a so e me te pe a so na. Alléluia. Amen. Eh yi bi aso te piato na. Nenye ma no tu garden na pa mo ambe problem lio. Do te pia nyonu asana nu le funu ganya ganya. Eh yi nya te pia mu ko te pia. Nkeke tu agbo ko ekwo mu papa agbo. Yi mu tu na be ma ko o 50. Yi be so sukle ku bota ku no pata o pere china. Yem lova kore mu tojoji von benye madida sia le miagbo ma trova fie ma ba dida sia yem gba trova ku bubuo be ma ba ja pe na mawu be eje nde gomina ne ba wunu na be asike nyonu asana le funwa asiwon ne ba gba to pova ne ma sanu amen fifia ne mi asemela. Et que mille guerres paya ma yema ou le nukuruma ou noyema. Ne ma wuto de fio ye be va me be uyo ye o so na agbato o mu jesi wa ma wule jawo ni amen. Hallelujah. Hallelujah.
Alléluia. La maman remercie Dieu ce matin. Elle dit l'année dernière, c'est-à-dire en 2023, par la grâce de Dieu, elle avait un atelier. Et arrivée à un moment, elle a eu des dettes et puis elle ne pouvait même pas rester sur place. Elle était recherchée de part et d'autre. Et sur ce, elle est venue dans ce camp de prière afin que Dieu vienne à son secours. Effectivement, pendant qu'elle est venue, elle a fait un mois de prière ici, elle est repartie. Un premier mois est passé, il n'y avait pas eu de changement. Le deuxième mois, Dieu l'a fait grâce. Un matin, il y a une de sa matrone qui l'a appelée. Elle a dit qu'il y a un monsieur qui est venu laisser son nom et son numéro ici, demandant à ce que cette maman l'appelle afin qu'elle offre des produits pour aller vendre. Effectivement, elle est allée, elle a pris le numéro, elle a contacté le monsieur. Le rendez-vous a été pris. Elle a été. Le monsieur lui demandait de savoir quelle quantité elle voulait bien sûr obtenir. Alors, elle parlait de petites quantités. Quand le monsieur a dit non, alors elle est repartie. Elle a encore remis ça dans les mains de Dieu. Par la grâce de Dieu, il y avait une maman qui l'a appelée, qui l'a dit, actuellement, je veux libérer mon emplacement. Alors, j'aimerais que tu passes pour que je te le donne. Et là, à la fin du mois, tu vas essayer de me donner quelque chose. Ayant pris cela, mais bien avant ça, elle a reçu cela dans son rêve, comme quoi elle était en train de vendre dans une grande boutique. Et elle était bien sûr la gestionnaire ou bien la propriétaire. Alors sur ce, le troisième jour, la maman l'a appelée et cela s'est réalisé effectivement. Elle est allée voir le monsieur, bien le monsieur l'a encore appelée. Elle a été chez lui, c'est là qu'on l'a livré une grande quantité des produits qu'elle allait vendre. Et elle dit, depuis ce temps, le Seigneur l'a fait grâce, elle a commencé par bien vendre. Et puis, en ce qui concerne les dettes aussi, Dieu l'aide, elle est en train de répondre à ces dettes-là afin d'évacuer toutes ces dettes. Et ce matin, elle est venue témoigner, remercier Dieu, celui qui a commencé cette grande œuvre dans sa vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Et ma ou on nous garde dans mes mains d'après Adida Sirendia. Et 2023. J'ai bien aimé ma fille. Et nous oublions donc que mon affaire, mon adoro, m'va adorer mon hoga si 100 000. Et où 100 000? Mon soit de homme, à fio va de homme, au dega 5 000, au poté gaké, et gaba pour toi 5 000, au moins. On moga, au dou, et numéro au kéké. Ma femme va pouvoir un gros oblam, et gaba pour toi 5 000. Bene wone en otro yana 100,000 edo la menam encha musama futon yo enya meton sona bene mdoli moya encha mana 100,000 kem joya 2 semaines pas pouve ma won kunu mpoga e premo yeye how you say. Ça fait. Amen, amen. Et mon poudre va pas d'accord. N'a 100 000 là. Bon, il m'a dit d'assez. Qu'il m'a dit d'assez. Et nous, Tottenham. Pourquoi? Et quand on a dit, nous sommes d'assez ici. La mère est boire. Il y a autour, mais il y a autour, mais il y a autour. Fifi, il y a autour, il y a autour. Nous sommes là. Donc, il m'a dit d'assez. Pour tiawa, il y a autour. Amen. Il m'a dit, il y a autour. Amenou blansa ou blanbe o
obla se kupa so oye yemi ne di da se gbalo gbalo bo am lo to be gbebe safle ya e poto la we na akwe be safle hun be safle ola ba donc monsieur me no so on di da se ave yembe adakwe di mawo be nya sugbon da si on di di ya wa wo yira papa wa si kwera yesu. Acclame Jésus pour la vie du papa. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Le papa dit en juillet 2023, il est venu ici. Autrefois, il faisait des affaires, des activités et ça marchait par la grâce de Dieu. Mais malheureusement pour lui, un jour, il avait fait un travail où il a gagné de l'argent plus de 100 000 francs. Alors, les souris sont venues détruire les numéros des billets au point où ça ne restait qu'un seul billet de 5 000 francs. Ayant vu cela, il se disait qu'il va venir à Beauvais, mais il ne venait pas parce qu'il était lié. Alors, dans cet état, il a dit que non, qu'il doit venir à Beauvais. Il avait une ancienne moto et avec difficulté, il est venu ici. Et pendant qu'il est venu, il y avait un monsieur qui est venu du Gabon qui rendait témoignage comme quoi il était venu ici et pendant que toutes ses activités ne marchaient pas. Mais il a fait vœu à Dieu ici dans ce camp de prière. Quand il est reparti, tout a changé. Le papa, ayant appris cela, s'est réconforté de son témoignage et a aussi déclaré que si Dieu lui changeait sa moto, il viendrait dans ce camp de prière le remercier avec une somme de 100 000 francs. Il dit, après la séance du mois de juillet 2023, il est reparti. Deux semaines juste après, le Dieu de ce camp de prière a accompli le miracle. Il s'est acheté une moto Haudioué. Et ce n'est pas fini. Il est venu effectivement accomplir à son vœu, comme il avait dit à Dieu, mais il n'a pas témoigné. Alors, il est là et la voix lui dit par après, « Tu as entendu le témoignage de quelqu'un qui t'a réconforté. » Et toi, tu ne veux pas témoigner. Mais ce matin, il s'est dit non, qu'il va venir partager le témoignage avec le peuple de Dieu. Et il réitère ceci, qu'il y a des gens qui disent qu'il y a des témoignages qui sont fabriqués, que des gens sont montés et viennent parler ici. Que non, ce n'est pas ça. C'est Dieu qui l'a fait grâce. Il s'est acheté la moto. De ne jamais croire aux mensonges des gens, mais plutôt de croire au Seigneur Jésus-Christ qui accomplit des miracles dans ce camp de prière. Acclame Jésus pour la vie du papa. Oh, amen. Amen. Que Dieu bénisse le papa. Alléluia. Amen. Whatever job worry, we talk about the top of the oh, amen. Amen. I'm ready to talk about that. I'm going to go home. 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 I'm going to go Dieu accomplit des mystères dans ce camp de prière. On ne peut en aucun cas l'aider avec des mensonges, jamais. Il est ton ami la fille. Lui-même, il siège dans ce camp de prière. Amen. Ce matin, il va encore accomplir le mystère dans la vie de quelqu'un. Oh, amen. Répondez amen, s'il vous plaît. Mia dada de ople, mia fofo, mia noviro, mia dakpena mau na yo. Ce matin, il y a certaines sœurs, certains frères, certains papas qui nous recommandent de remercier Dieu en leur faveur. Mia dada de kaya me la fio elle moji ebe iva to yaji mau wonu gawo e na ito e wonu po isro play if you pack beta e yo ga gere pe ya me le muti ba fami e pa mon bebe pa sigale yo lem da si e la pe dam ne be ne poto wa ye eji e ne ne ma ke bia fufure ha ebe nu mo totoro va gera fo me nai e me fa Amen.
Amen. Il y a une sœur, elle vit à l'étranger. Elle dit que par la grâce de Dieu, elle a gagné du boulot. Elle et ses enfants sont tous en bonne santé. Elle remercie Dieu pour cela et de continuer par les aider. Il y a un frère, bien un monsieur, qui déclare qu'arrivé à un moment, il y avait eu des perturbations, des difficultés dans sa maison, mais Dieu a levé sa main. Il le remercie encore ce matin. Et non seulement ça, il y a aussi une maman qui remercie Dieu pour les grandes œuvres qu'il a accomplies dans sa vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Nous les gens ici et mia acho considera nous nanao et au lieu appelé acho ava. Nous allons à présent apporter nos offrandes, nos dîmes et nos vœux. Que agbalé de domé nami na améyo lakwa domé le mbé et une kogwe tole mia kola fille Elena de domé tau fille katami leko agbalé konami kola. Nous avons des troncs disposés au milieu, des troncs disposés devant. Alors ceux qui sont derrière vont venir dans les troncs qui sont disposés au milieu. Et ceux qui ont ce tronc derrière eux viendront devant. Amen. Amen. Alléluia. Ma wenye lolo, ma wenye lolo, mi blena kihia mebe, ma wenye lolo, ma wenye lolo, ma wenye lolo. Daniel Pema, ou mien soubo, mien kafou encore.
Mie do de ji elabena ekpo mi atako shira blibo ejo mi anti mie mi egbo le nti fafa me ye nene make ne ga yira mi sogbo Jehova nu yo ne ko yira mi la mie ko va wa pe me va ko onchi bena wa odonyo la pe o me Jehova ame yo na e ame yo me kpona ola na bena Jehova e yi yo bona la bi kata o mi azu ya yira to e chama vo akpena o le Yesu Kristo pon kome amen amen. Oh, amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Dia di phone ira amare. Ce matin que le ciel bénisse quelqu'un. Amen. Amen. Que ma mille déjà trop rêvé vient outil. Nous allons aborder la phase importante. Et bien les déjà ici bien assez maunya à guerre que tout dorame. Évoluer avec la prédication et après nous allons. Et ma ou pas ma glonne déjà dit te faire la que dorape ou n'y a rien chercher. L'homme de Dieu a l'habitude de dire que ce lieu est un camp de prière et non une église. Voilà considère au bela mien on a souvent souvent dit gagner van à gao pelle à fin. Et donc tous les dimanches il y a culte dominical de 8h à 10h30. Que ma ami va pour pouvoir aller à les que kaye. Maunya tonami nfa fia bado ye lekeke maunya va mie wuna nu ple gododora sese yo nana mia pe kuki wo jona. Et donc si nous nous rassemblons ici lors des cultes dominicales, peu importe le thème d'enseignement qui est développé, nous finissons toujours par de fortes prières de délivrance qui enlèvent nos problèmes. Kareji bele undi akaka mia pa eye mia dolagba do ya gomea ali mie levala. Amen, amen. Et j'ai la foi que ce matin, avant qu'on ne sorte de ce temple, on ne sera jamais le même. Alors, en ce moment, Dieu va passer par son serviteur. Celui qu'il a responsabilisé ici. En la personne du serviteur. Nous m'envi. Doji. Paul. Et quand il se lève, nous restons assis et acclamons Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ameke o mawira mebe hallelujah. Amen. 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 Me to Yesu ji eye me don dinue na mi. Recevez mes bonjours par le biais de Christ Jésus ce matin. Eye enye jijo gande na mbe mawuga form ega form ikata. C'est une grande joie pour moi que Dieu m'ait réveillé, qu'il t'ait réveillé et qu'il nous ait réveillé tous sur la terre des vivants. Et ce matin encore, il va nous parler. Prions. Père, nous te remercions pour ta grâce et ton amour. C'est toi le Dieu qui nous a protégés par tes mains. Tu nous as également protégés par ton sang. Et voilà, tu nous as encore réunis à ta présence. En tant qu'un bon père, tu as un message à l'endroit de tes enfants. Toi-même, tu ne descends jamais physiquement afin de parler, mais tu passes toujours par un homme. Il t'a plu d'utiliser les moindres de tes coupes afin de transmettre ton message à ton peuple. Cela ne veut pas dire que nous nous sommes bons. Mais c'est plutôt à cause de ta grâce. Nous voici, Père, nous nous confions à toi. Tel tu veux nous utiliser, de la Yesu. Sauveur Jésus, nous nous abandonnons à toi. Utilise-nous tel que bon te semble. Ton peuple est à l'écoute. Pour cela, passe par nous et parle. Amen. Amen. Alléluia. Amen.
Je voudrais humblement qu'on continue ce matin avec la parole de Dieu. Le message sur lequel nous allons nous baser afin de prier. Tel que le MC dans la présentation l'a dit tout de suite, ici c'est un camp de prière et non une église. Et quel que soit le thème qui est développé dans l'enseignement, dans la prédication, nous bouclons toujours avec de fortes prières qui ôteront nos maladies, nos fardeaux et difficultés. Il y a presque un mois, le Seigneur me transmettait un message qui constitue un problème dans la vie de son peuple qui est en train de les nuire. Et le Seigneur me rassurait que par la prière, il remportera la victoire à ses enfants. Vous allez voir que depuis que le Seigneur a commencé par me transmettre ce message lié à l'envie, nous avions reçu des témoignages palpables dans le camp de prière ici. Quant à ceux-là qui nous suivent en direct depuis leur domicile, nous n'en parlerons plus. Et l'envie constitue, disons, un élément nuisible dans la vie des enfants de Dieu. Mais par la prière que nous aurons à faire, le Seigneur nous rassure qu'il nous donnera certainement la victoire. Amen. À l'entame de l'année, le Seigneur nous a transmis le message qui dit qu'il fera le sujet de rire dans la vie de ses enfants. Et j'ai commencé par dire depuis ce temps que le sujet de rire serait accompli dans ma vie, dans ta vie et dans nous tous notre vie. Alléluia. Amen. Bon. Amadeo be kukisi avakble nou le wongti la yenye nubia. Alors, le souci de certaines personnes qui finira par les nuire, c'est l'envie. Ke mien nok be dogera aye ale gbogwa gale fode nou nye la mien ga sona nou lengti aye nou le yon nubia de nou kayo yon abe nubia ou. Ce matin, nous allons encore prier au sujet de l'envie, après l'enseignement que nous allons écouter. Mais quand on parle de l'envie, de quoi s'agit-il concrètement? L'envie. L'envie et la convoitise. Ou bien l'envie, le désir et la convoitise. Alors, ces trois éléments sont des frères qui se suivent. Dieu n'est pas envieux. Et Dieu ne convoite pas les choses. Et Dieu n'est pas animé de la convoitise. Mais il est un Dieu jaloux.
Et c'est d'ailleurs à cause de cela qu'il a dit dans la Bible, je suis un Dieu jaloux. Il n'aime jamais qu'on adore un autre Dieu en dehors de lui seul. L'envie, c'est quoi? C'est quelque chose qui ne t'appartient pas, mais malheureusement, tu envies négativement la chose. Et alors, quand tu es animé de l'envie négative, tu ne vas pas te battre pour aller travailler pour l'objet que tu envies, mais tu passeras par des moyens afin de détruire la vie du propriétaire de la chose, afin de la lui arracher. Et voyons un peu la genèse, le commencement de l'envie ce matin. Humblement, prenons nos Bibles. Lisons dans Genèse chapitre 3, verset 6. C'est la première lecture. Amen. Lisons dans Genèse chapitre 3, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Amen. Oh, amen. Amen. Le gomete jemea, mawo, achuple assi. Et au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Et Dieu les aimait tant. Et celui que Dieu a le plus aimé, c'est Adam. Si je m'exprime de cette manière, et aujourd'hui, nous ne voyons pas physiquement Dieu avant de l'adorer. Adam, mais quand Adam, Adam, lui, Dieu le visitait dans le jardin où il était. Et Adam discutait physiquement avec Dieu. Oh, amen. Amen. La Bible déclare qu'à chaque période, Dieu venait rendre visite à Adam afin de voir s'il se porte bien. Et alors, l'homme qui serait capable de faire le portrait de Dieu, c'est-à-dire d'écrire l'image de Dieu, son teint, sa taille, sa morphologie, si Adam était vivant, il l'aurait fait. Et
Et Dieu l'ayant observé jusqu'à un moment donné, il s'est dit non, j'ai constaté que tu es seul. Je vais créer encore quelqu'un qui sera ton aide et tu vivras avec ton aide dans le jardin. Aïe, Maou, Vade, Adam, Be, Akadapureka, Sawanyonune. Et Dieu enleva l'une des côtes d'Adam et lui fabriqua une femme. Amen. Amen. Mais de coucou, amen. Amen. Mauvio, nemi blamena, hose top blanabe, amen. Mi be, amen. 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 Alléluia. Amen. Adam. Adam. Ye maoulon, yo tchonyonoune. Dieu l'avait aimé et lui a créé une femme. Maou blanyonou ava, maoute blanabena. Dieu lui a présenté la femme qu'il a créée et a demandé à Adam de lui donner le nom que lui-même veut. Adam Alors Adam lui-même a attribué le nom de femme à celle que Dieu lui a présentée, qui veut dire elle m'est agréable. Ce qui m'est agréable. Yenti Bible abena amesikpo nyonula e basi tunu nyue ayeyebenu ajojina mau. Amen. Nyonu le mau bola enu kwasi onye. Amen. Et c'est d'ailleurs à cause de cela que la Bible déclare « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur et la personne serait agréable à Dieu. » Ce qui veut dire que les femmes ont une importance et une valeur auprès de Dieu. Et si tu m'entends de quelque part, et Dieu t'a fait grâce et t'a accordé une bonne femme, qu'il en soit une, deux ou trois qui sont ton épouse, tu disposes la richesse de Dieu sous ton toit. Et aime ta femme. Parce que le nom qui lui a été attribué veut dire elle m'est agréable. Amen. 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 Alléluia. Amen. La femme que Dieu a créée. Et Dieu a autorisé à Adam de se promener dans tout le jardin parce qu'il l'appartient. Adam n'avait pas cultivé le champ. La femme d'Adam n'avait pas aussi cultivé le champ. Mais Dieu lui-même a fait pousser des arbres qui ont porté des fruits. Il y avait plein d'arbres dans le jardin d'Éden. Et Dieu dit à Adam, je te donne le feu vert de consommer tous les arbres qu'il y a dans le jardin. Mais quant à celui-ci, ne le goûte pas. Ne goûte pas le fruit de cet arbre. Le jour où tu en mangeras du fruit de cet arbre, tu mourras. Mais écoutez. Alors, lorsqu'on donne des interdictions à quelqu'un de ne pas consommer un arbre, parce que le jour où il osera le consommer, il mourra. La personne a le désir, la combien, l'envie d'aller consommer. La personne a maintenant l'envie d'aller consommer le fruit de l'arbre qui lui est défendu. Okay. Je dis souvent que celle qui a suivi une scène, un événement, et elle n'a pas été effrayée,
c'est Ève qui est l'épouse d'Adam. La Bible a bien la femme quoi? Parce que la Bible nous dit qu'elle était à la maison. Et son amélio. Son époux n'était pas là. Et dans. Satan va d'où dans. Le diable a incarné le serpent. La Bible dit que le diable a incarné le serpent. Et le serpent était descendu vers Ève. Et l'avait salué. Et l'interrogeait. Après non, mais donc Benin. Madame, je te salue. Et il n'est pas comme. Mais il y a Macbeth et nous pour ne de da trois me va tiens. Allo Satan a trois me va. Ne m'y a gobe na yon a menya. Ou on est pop dan. Yé davado. Ton ou popo pokle wa. Ou ma boussoua. Et davado a ho me kwa. Yé ke nou be mama bonjour. Hein? Mi plondoua. Est-ce que vous me suivez? Mi me la fille ou mi me leo. J'ai l'impression que vous n'êtes pas avec moi. Si le serpent était déguisé en homme, avant de venir adresser la salutation à Ève, on dirait qu'elle ne le saurait pas. Maintenant, le serpent était venu physiquement comme ça et lui adresser la salutation. Elle doit se réveiller très tôt et savoir que ça, c'est un danger. Bédé, Davak, mon nom, maman, bonjour. Le serpent vient adresser la salutation. Maman, bonjour. Bonjour. Et la dame a eu l'audace de répondre à la salutation du serpent. Eh bien, ati o kata la boya me de maoube mingbadoudewa. Et le serpent a commencé par questionner la femme. Vu les arbres qu'il y a dans tout le jardin, y a-t-il l'un que Dieu vous a interdit de ne pas consommer? Yo be, hein. La femme a répondu oui. Et la dame répondait, Dieu nous a autorisé de consommer tous les fruits, mais excepté le fruit de cet arbre. Le serpent dit, oh là là. Le fruit de cet arbre-là est le plus délicieux, le plus doux des autres. Et dit, mais pourquoi Dieu vous a-t-il défendu la consommation du fruit de cette table? La femme répondit, si nous le consommons, on mourra. La Bible dit que le serpent est allé cueillir le fruit de cette arbre qu'il a mangé premièrement et a aussi donné à la femme. La Bible dit, et c'est là que la femme a commencé par envier le fruit de cet arbre. Il y avait tous les fruits des arbres dans le jardin qu'elle n'avait pas envié. Mais c'est le fruit de la mort qu'elle a envié finalement. Bien. L'envie. Ce qui est caché derrière l'envie, c'est la mort. Okay. Il y a la mort dedans. Il y a aussi l'hypocrisie qui s'ajoute. Mais quelqu'un, là où tu es et tu m'entends actuellement, voilà, Satan a mis cette semence mauvaise en toi. On n'est pas en train de t'envier, mais toi-même tu es envieux. Mais je dis, alors, moi, mes propres observations et études au sujet de l'envie, parce que cela n'est pas biblique, l'envieux et le sorcier sont des demi-frères, c'est-à-dire les enfants d'un même père et de mère différente. Enfant d'un même père et mère différente. La Bible déclare que la femme envia le fruit de cet arbre. Et c'est depuis lors que l'esprit d'envie a commencé. Amen, amen. Lève-toi dans une minute et déclare, je brise en moi l'esprit d'envie. Écoutez-moi.
ajeme le vola si gbe ajeto gbale jivi ye be gbale jajeto ye na bele jideji vona jebu la momela na po ba je la didi poto allo ayata mbiala mia mama me o no gberegbe ye aye kofu jijiji me o dadi ta e gbogbo maga poto dunafia den chila o wa gbeme ye do ki po me me ne ve jole e koy me ne jole e du me o jole a nunana male o si kon wa o ya o biana nwame ye gbogbo ma re dunfia da gbe oji a fi ne ko yesu vo me le vo na o ayi mi le gbon fifi la ya ava he gbegbe ba na wo nto a he gbegbe ba na vi o vo mi ni chi de kaya me le gbon ma wo nto mawu ate magbe vo wo nto e la nyabe ye jibe gbogbo ma ya ma no ye mel amen abe mawu vi ne ne agbo be me gba gbogbo ma le menye en tant qu'enfant de dieu je déclare que je prise l'esprit d'envie en moi L'esprit d'envie ne va pas m'habiter. Le demi-frère du sorcier ne va pas m'habiter. S'il était en moi que le sang de Jésus le passe. S'il régnait dans ma pensée, je la prise. S'il régnait dans mon âme, je la prise. S'il régnait dans mon esprit, je la prise. Seigneur, je veux t'adorer dans la sanctification. Je veux t'adorer afin d'être un enfant fidèle à toi. Réponds Amen. Veuillez vous asseoir doucement. Bible La Bible dit Mia mama ya duachia. Notre grand-mère Ève a consommé le fruit de l'arbre défendu. Lorsque son mari est revenu, elle lui a aussi donné de ce fruit. Oh, amen. Amen. Ayi me ke mele maunya ya jandoa me gale khogbea eye afeto le chotanya gande le maunya ya mele nambe ne mewo edoya wenu le mbia be nyamela magade tanya buvwa de to sike agrobena no kaye amade no chou maumaha. Alors, au moment où j'étais en train de préparer ce message, le Seigneur me transmettait encore un autre thème et me demandait de l'étudier, de le développer après cet enseignement. Et ce thème, c'est quoi? Qu'est-ce que quelqu'un ou l'homme aime plus que Dieu? Qu'est-ce que quelqu'un aime plus que Dieu? Oh, amen. Amen. Elle a bien aussi joya. Parce que vu ce qui s'est passé, Adam yo osiana, la loi, le commandement a été fait à Adam. Et yo bova. Lorsqu'Adam est revenu, Yesu a tourné bien à Chia Medui et Vivinto. Et sa femme lui a dit, je viens de consommer le fruit de cet arbre. Il est si doux. Et yo dola nonzole do kunchi. Adam doit être vigilant. Et dire non. Mon épouse, Dieu nous a interdit de consommer le fruit de cet arbre. Adam devrait dire à son épouse, je refuse cela. Je ne mangerai pas le fruit de cet arbre aujourd'hui ni demain. Je me suis dit, si Adam s'était comporté comme ça, le châtiment de Dieu n'allait pas descendre sur le monde entier parce que la loi a été premièrement faite à Adam. Nous vivons longtemps le Christ, mais très cher, bien-aimé en Christ, précieux de Dieu, nous bien aimons. L'envie, elle n'est pas bonne. Oh, amen. Amen. Agnon, nous bialade et un trône à Jiméa.
Est-ce que l'envieux peut se repentir? Oui. Ne me craignez nous les. Mon sebag balé marqué état, bateau état éné. Chokubi amadien choya. Si nous lisons dans Genèse, toujours au chapitre 4, verset 6, en descendant, vous allez découvrir là-bas Caïn. Celui à cause de qui Dieu me transmet le message de l'envie quotidiennement. Bon, Genèse 4, verset 1er. À 7. Mais ce que je voudrais dire se situe au niveau du 6e verset particulièrement. Alors, celui en qui il y a l'esprit d'envie, la personne n'aime pas premièrement Dieu et l'homme, son vis-à-vis. Celui en qui il y a l'envie, la personne n'aime pas Dieu et elle ne peut pas aussi aimer l'homme comme lui-même. Parce que le caractère de vie qu'un enfant de Dieu doit avoir, il ne vit jamais ses caractères. L'envieux est Caïn. Et nous sous-bolés, mais nous sommes tous les gens qui sont en train de se faire. Nous sommes tous les gens qui sont en train de se faire. Nous sommes tous les gens qui sont en train de se faire. Nous sommes tous les gens qui sont en train de se faire. Nous sommes tous les gens qui sont en train de se faire. Nous sommes tous les gens qui sont en train de se faire. Amen. Amen. Oh. Amen. Amen. Mais mau nito firagbea mau plomdo dimension de me vodu comme nya. Mau le plomdo kokopere me bere. Ame yo pone le boto yentia. Elle ya tonchi. Amen. Me bere le ya tonchi. Amen. Bogbo me yo uchi la me yo. Amen. Tu réussiras et tu réussiras encore. Tes enfants réussiront. Ton partenaire de vie réussira. Si je suis un serviteur de Dieu, cela sera. Répondez plus fort, amen. 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 Hallelujah. Amen. Amen. Quand je m'exprime disant que l'envieux n'aime pas Dieu et n'aime pas aussi son vis-à-vis, suivez-moi et vous allez le découvrir. Caïn et Abel étaient des frères consanguins, des frères de même père et de même mère. Un était éleveur et l'autre est agriculteur. Les deux ont présenté un sacrifice à Dieu. Caïn, au lieu d'aller choisir les bonnes récoltes de son champ et d'offrir un sacrifice à Dieu, il est allé sélectionner les mauvais produits de son champ qu'il a offert en sacrifice à Dieu. Son frère Abel est allé saisir des animaux gras qu'il a offert en sacrifice à Dieu. Et Dieu s'est désintéressé de Caïn à cause du sacrifice qu'il lui a accordé et qui n'était pas agréable. Au lieu que Caïn se repente et décide comment faire pour offrir encore un nouvel sacrifice à Dieu, il a commencé par envier son frère Abel. Et c'est là que je me suis dit que l'envieux n'aime pas Dieu. Parce que si Caïn aimait premièrement Dieu, il n'aurait jamais offert de mauvais produits
en sacrifice à Dieu. Et il n'envierait pas aussi son frère de même sang. Et je suis en train de dire ce matin, c'est ce qui foisonne un peu partout dans le monde aujourd'hui. Il y a une maladie que tu traînes maintenant, c'est à cause de l'envie. Tu as commencé par réussir et les envieux ont convoqué des réunions. Comme quoi, on ne va pas vivre ici afin d'assister à la réussite de cette personne, au bonheur de celui-ci. Mais je m'en vais te dire, tant que tu viens dans ce camp de prière, ceux-là qui ne veulent pas te voir réussir, ils te verront réussir largement. Et je déclare encore ce matin, ceux qui t'ont dépassé aujourd'hui, attends, tu vas les dépasser à des milliers de kilomètres. Amen. Amen. Nubia. L'envie. Nubia là, mais l'envieux n'aime pas d'abord Dieu et n'aime pas aussi l'homme. Ayant dit. Quand tu t'en pas balé, bantô, et ta adéquipé à ce qui est amen. N'écoutez les ya, Bible ben umbiala o ma pas ma ou. C'est d'ailleurs à cause de cela que dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 9 en descendant, la Bible déclare la. Ok, alors la partie que nous voulons mettre en exergue dans la prédication se trouve au niveau du 10e verset. Mm. Les envieux ne verront pas Dieu. Et vous allez constater que l'envie, elle n'est pas bonne. Raison pour laquelle Dieu a dit, les envieux ne verront pas Dieu. Les gens se permettent même d'envier les gens au point qu'ils envient leur partenaire de vie. Caïn a envié son frère de sang. Son frère de sang qui le suit directement. Ils sont allés présenter le sacrifice à Dieu. Alors, puisqu'il n'avait pas un bon cœur, Dieu a aimé son jeune frère plus que lui. Et il a finalement réalisé qu'il y avait plus de relation entre lui et Dieu. Amen. Alors, si vous lisez dans Genèse chapitre 4, à partir du 6e verset en descendant, vous allez voir que Dieu a commencé par interroger Caïn, lui demandant pourquoi il s'irrite tant contre son frère. Parce que Dieu avait su qu'il a commencé par s'irriter négativement contre son frère. Et pendant que Dieu l'interrogeait, Dieu voulait en même temps sa repentance afin qu'il ne commette plus le malheur à son jeune frère. Mais malheureusement, il ne l'avait pas fait. Et Dieu lui disait, si tu avais fait du bien, tu aurais le visage relevé ou la tête relevée. Mais sais-tu que le péché s'est caché dans ton cœur? Malgré cela, Caïn n'avait pas voulu se repentir. Il a persisté
au point que le mal qui ne devrait pas arriver à son jeune frère, ce mal est arrivé. Juste pour attirer l'attention de tous les chrétiens que l'envie, elle n'est du tout pas bonne. Oh. Amen. Amen. Et quand Dieu lui a parlé ainsi, disant, Caïn, pourquoi te mets-tu en colère? Le péché est caché dans ton cœur. Alors, relève ta tête vis-à-vis de la mauvaise chose que tu as faite. Papa, me de kuku chokem. Eya me chovana weya. Wawe ni nye to la glinye nuku nyome. Ma wula chweke, alo ma chweke. Eye, elatro. Dakela, kai me de susuma. Alors, je me suis dit que ce que Caïn aurait pu faire, c'est de se retourner vers son jeune frère Abel et lui demander à savoir, petit frère Abel, comment est-ce que tu as fait et ton sacrifice a été agréé par Dieu? Et son jeune frère Abel lui dirait, moi j'ai choisi les brebis les plus grasses, les animaux les plus gras de mon troupeau. Ce sont ces animaux que j'ai offerts en sacrifice à Dieu. Et là, Dieu a agréé mon holocauste. Et Caïn aurait pu retourner encore vers son grenier afin de choisir encore les bons produits de son champ, revenir maintenant vers Dieu et les présenter en sacrifice. Et s'il les fait, son sacrifice serait désormais agréé. Amen. Amen. Oh, mais de coucou, amen. Amen. Fils ya fille, partout où tu es, et toi, tu as un cœur pur. Tu aimes ton frère, ta sœur. Tu aimes l'enfant à ton père. Tu aimes le membre de ta famille. Tu aimes ton ami. Tu aimes tes collègues, tes camarades, étudiants comme élèves. Mais lui, il a un cœur noir contre toi. Et tu ne sais rien. Amen. Que Dieu t'accorde la victoire. Que Dieu t'accorde la victoire. Oh mon frère, il y a longtemps on n'est plus allé au champ. Allons-y au champ. Et Caïn a invité son frère Abel et lui a dit, allons dans le champ de papa. Et les deux marchaient et allaient au champ. Et ils causaient ensemble. Et ils marchaient. Et ils causaient ensemble. Ils causaient ensemble. Et il riait avec son jeune frère. Mais il savait dans son cœur qu'il va le tuer bientôt dans le champ. Son jeune frère Abel ne savait rien. Il était naïf. Oh. Que Dieu ne permette jamais que tu périsses entre les mains de tes ennemis. Que Dieu ne permette jamais. Qui le planifieront spirituellement, physiquement, que l'éternel Dieu t'en délivre. Que l'éternel Dieu t'en délivre. Que tous les saints disent amen. Oh, alléluia. Amen. Caïn et son frère Abel étaient arrivés au champ. Arrivés dans le champ, ils étaient en train de s'amuser, de causer, à
Il avait caché une arme dans son sac. Son intention, c'est que bientôt, je vais tuer mon petit frère. Le petit frère ne savait rien. Et d'un seul coup, au niveau de sa nuque, il lui a donné un coup. Son jeune frère s'écria: Oh grand frère, que t'ai-je fait? Et il lui donnait encore le coup sur la nuque. Et son jeune frère était agité de façon sanglante. Et il n'a pas eu peur dans son cœur. Parce que l'envieux est animé d'un mauvais courage à l'endroit du mal. Rien ne fait plus peur à l'envieux. Rien ne fait plus peur à l'envieux. Bien-aimé en Christ. Amen. Le Dieu que nous servons, qui nous donne une conscience vivante. Une conscience vivante qui va t'aider lorsque tu poseras un acte, ta conscience va te juger, te demandant: est-ce bon ce que tu fais? Est-ce qu'un enfant de Dieu peut réellement poser l'acte que tu poses? Cet acte ne reflète pas l'acte d'un chrétien. Celui qui a fini de sacrifier son holocauste à Dieu. Caïn. Alors, Caïn, celui qui avait présenté son sacrifice à Dieu, et après le sacrifice, il est revenu maintenant chercher ou tuer son jeune frère. Est-ce que son sacrifice vient du fond de son cœur? Amen. Vous verrez les signes. Alléluia. Amen. Alors, il y en a de ces genres de personnes dans nos églises différentes aujourd'hui. Quand il s'agit d'un appel de fond, ceux-là qui sont très habiles et qui sont animés de l'esprit de libéralité, qui donnent des fois 1 million, 500 000, toutes sommes confondues afin de soutenir l'œuvre de Dieu. Dans le même temple, il y a aussi des envieux qui se disent: ah bon, quand on parle de l'argent, lui se dit il en a. Et il se lève dans la précipitation afin d'offrir régulièrement. Nous allons convoquer une réunion afin de voir là où il passera encore pour venir offrir dans ce temple-là. Et depuis ce moment-là, tes activités vont commencer par chuter. Ton commerce va commencer par regresser. Mais je déclare ce matin, ils vont bien sûr former leur complot. Mais tant que Dieu est vivant, la victoire sera certainement la vôtre. Et Dieu me dit que jusqu'à la fin du développement du thème de l'envie qu'il m'a donné, plusieurs remporteront la victoire. Maou, mega poto, le denya ya to balo,
Et Dieu n'insiste toujours pas sur cette affaire d'envie pour rien. C'est parce que Dieu est dans l'amertume. Amen. Tu iras dans le service. Asiame olejayi. Tu iras dans le marché. Amen. S'il te plaît. Amen. 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 Alors, lors de la séance passée, après une prière ici, une maman était sortie pour partager son témoignage avec nous ici. La maman dit qu'elle travaille comme secrétaire dans un service donné. Et il y a 3 mois de cela, elle n'est plus allée au service parce qu'elle est tombée malade. Nous avions prié, on a fait la délivrance, on a prié pour les malades. Elle n'a pas reçu la guérison. Mais lorsque j'ai lancé la requête concernant l'envie, elle a senti une vibration du sommet de sa tête jusqu'à la plante de ses pieds. Et en même temps, le mal qu'elle traînait, avant de venir ici, elle n'est plus allée au service durant 3 mois. Le mal a complètement disparu. Elle était venue, elle a partagé publiquement son témoignage lors de la séance passée. Les envieux ont tenu un complot contre elle, l'empêchant de revenir encore dans le même service. Lorsque nous étions encore et à Lomé, après la Pâque le dimanche, une fille aussi, elle était paralysée, elle marchait à 2 béquilles. Les envieurs se sont levés contre elle. Parce que lors de la prière, nous avons tout fait. Elle n'a pas reçu la guérison. Mais lorsque le Seigneur m'a encore parlé de l'envie et j'ai lancé la requête, celle-là, elle a reçu la délivrance, elle a laissé les 2 béquilles et elle a commencé par marcher. Ce qui veut dire que les difficultés que les 2 personnes ont traversées liées à leur maladie émanent de l'envie. Et si on n'avait pas lancé la requête concernant l'envie, on aurait tout fait, mais les 2 personnes dont les témoignages sont passés ne seraient pas guéries de leur maladie. C'est à cause de ta prospérité qu'ils sont en train de t'envier. C'est à cause de la moto que tu as qu'ils sont en train de t'envier. Mais laisse-moi te dire, le Seigneur te bénira davantage.
et d'ici peu, tu auras une nouvelle voiture. Si c'est à cause de ton foyer conjugal, de ta femme, de ton mari qui sont en train de t'envier, le Seigneur accordera une paix, une quiétude à ton foyer conjugal. Si c'est à cause que tu as gagné l'emploi dans ce service-là, dans cette boîte-là, qu'ils t'envient, ils seront là quand la décision de ta promotion sera prise. Mais de coucou, Miglo, amen. Amen. Nous bien là. Mais l'on m'a ou. Kaka, la va l'on m'a ou. Et yanti. Mais n'a pas pu si ke. Apostle Paul, au fion ou lenti, le Coran te tombe bak balemé. Yé, mais globena. Apostle Paul, au fion ou globena. Nous bien là ou. O ma po ma wo. Et Dieu est contre l'envie. Et c'est kwikpi wa bena correct to bag bale banto et adin kwikpi e wa bena ple fiafito bakle un bialao ple hlondolao bakle busubolao ple ajodalao la o ma nye ma o fiadu pla pe do me o mi gbon be amen. Amen. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 10 dit: ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. Amen. Les envieux ne verront pas Dieu. Mes chers, des fois, regardez-moi correctement. Je suis plus ceux-là qui sont en train de somnoler. Relevez correctement la tête et regardez-moi. Regardez-moi, s'il vous plaît. Un chrétien peut être animé de l'envie plus qu'un païen. Et un serviteur de Dieu peut être animé de l'esprit d'envie plus qu'un fidèle ou un païen. Oh, amen. Amen. Tu vas voir un banquier qui a été embauché. Il ne connaît pas Dieu. Mais il est fonctionnaire à la banque. Il va même compter des millions et milliards au guichet. Il peut assurer 30 à 35 ans de carrière professionnelle et vous n'allez pas entendre des fuites qu'il a détourné les fonds de la banque. Oh, amen. Amen. Ma figa. Il va pas détourner les fonds de la banque. Ma tchoua mre kebega. Il prendra les fonds de qui que ce soit. Menye koseto wa ela wo ebe do kakala retraite le me. Wa gbobena ameya wo do le banque le gadra do pere kakala retraite. Ela khle miliao, miliao la to lo mené. Ye be fetu ko le ne le tikukua. Ye poe be la no hokakaka la baku voa. Bien sûr, ce banquier n'est pas croyant, n'est pas chrétien, mais il va assurer sa carrière professionnelle durant 30 ans ou 35 ans avant d'être admis à la retraite sans envier, sans convoiter les fonds de quelqu'un à la banque. Nous la raison. Et galeto yi le fi awreti ku ya no hogaya be ye chai matra lode atronde do da me ne ya po gavidia wo ibe kesino nuwa mi plom doa ye le ya tutua mea ye belave figa yo labe e wo deturuma e be figa amia fi bank bega ye wa nyele do me e dobli bo ke beleja wo kakala retreta mbia na be doa wo nuke o. Et
Elle est venue à la maison. 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 Elle est venue à et que on y a 10 000 taux le mea, elle a fait un peu de assade goto. Keye, besoba le plenou, et via le dou, et via ocha le doua, kebe chodoa, et via ocha chodo. Mbia, amme, lek le ga, nye banke, miria otoa lomene, minio otoa lomene, me chinkoujine ou kakaka la ou ple blaton, a hok bode me. Et Gabi Chukwine, on s'est dit pourquoi est-ce qu'il y a un coup d'une. Il y a un biaya, il y a un caca et un dono. Et il y a un dono. Mais d'un chichi d'homme, et d'un bera, la mère avait un canne, mais voyez baho. Il y a un va de tourner missionnaire, mais à me y a un dodo d'ama. Et bien, nos churches de me vaille, churches y a l'éke me y a noa, y a un bon à Gabi, y a un bon, nous y a l'éke le joya. Il y a l'éke y a un peu de bonheur et n'y a. Kaya mere pe mle po nya be le bia mawu le fi mawu be gaucha mawu ya le po e eno nye pe to nyo mbia egbele nanu ne nyi gbogbo be nyi le mewa eye na o fi na fi mbia ye nana be na nyo nu la nasi o nyere voa amebu to la gba no juro e la be na esno le vo nu ke le sro osia e le sro. Nous que la mebusia le son chassi gado mecha avak pobena nyo noua esron la jotou beye son wa mebu bouan beson gake sousou la nok bloko bena ame wa beson kwe ya ji mbiaye e la ben nyo noua le chinkou jina menye tau ye ode ame nyo ame ve vio na mau mi kwasi na mau bok bon ame nyo olo mi ve na mau ta mau chite. Ne le manye, ne le mewa, jipo ne deda. Amen. Manye be, mia no fiam kobena, hamole biam, maune kake. Gado mea, won tocha bokboma le mew. Bokboye nye futona. Bokboye nye josopena o fukpekpeo. Vo menyao. Ne mi le fia nou ne lewa le kede nwantia, anokwe. Anokwe, anokwe. Blobe, amen. Amen. Ame afifia edo verse nyere lekea verse aje enya popo amede oh fine amede ben suye jaye ye jirado nyere nene awe nyonto mbiala ya susubwe ya lade don amede siade ke la fia ye gbogbonwa le mewa minute de kamia gachite levons nous une minute. Quiconque est ici et qui est animé de l'esprit d'envie, il n'est pas bien qu'il y ait l'esprit d'envie en un enfant de Dieu. Le chrétien en qui il y a l'esprit d'envie, ce n'est pas le Saint-Esprit. Il y a quelqu'un en qui il y a cet esprit. Apôtre Paul, fionou Timothée. L'apôtre Paul enseigne à Timothée.
Mais je suis maman. Je connais ta grand-mère. Mais je suis un nom. Je connais ta mère. Mais je suis au sous-bamau. Je sais bien qu'elles ont eu à adorer Dieu dans la foi et sans mensonge. Et je sais bien que tu es animé du même esprit. Si je parle, l'homme ne peut ressembler à quelqu'un d'autre. L'homme ne peut ressembler à quelqu'un d'autre. Voilà. Mais selon la parole de Dieu, l'homme peut ressembler à quelqu'un. Voilà, parce que c'est l'apôtre Paul qui l'enseignait à Timothée que je connais ta grand-mère et ta mère. Elles ont eu à adorer Dieu dans la vérité et l'esprit qui les anime, je sais que c'est ce même esprit qui t'anime aussi, qui veut dire tu les ressembles. Non, pas pasteur. Quand tu vois un pasteur et il est en plein ministère et qu'il a commencé par avoir de l'argent et le pasteur arrive à faire des négociations avec certains diacres et que le pasteur arrive à s'entendre avec certains diacres et qu'il change le chiffre du compte financier de l'église. Qu'est-ce qui anime ce pasteur? Hein? Qu'est-ce qu'il anime? Elle est contre ta voix. Il est bien sûr sur l'autel de Dieu. Mais il est animé de l'envie pernicieuse. Et c'est le petit frère de la sorcellerie. Celui qui est conduit par l'esprit de Dieu n'est pas animé de l'esprit d'envie. Quand on te dépose dans une boutique auprès d'une marchandise, une boutique, une marchandise appartenant à ton père ou à ta mère, l'argent auprès de qui tu es, bien que l'argent appartienne à ton père et à ta mère, si tu prends de l'argent et tu fais une réalisation avec sans avoir informé tes parents, tu as volé. Voilà. Il y en a qui disent que c'est un bien qui appartient à mon papa. Pour cela, je peux le prendre facilement sans l'informer. C'est faux, c'est du vol. Le bien de ton papa, c'est toi qui dois plus l'entretenir. Quelqu'un dit, mais c'est pour mon partenaire de vie. Et nous sommes des co-épouses. Est-ce que le futur sera-t-il bon? Non. Le futur ne sera pas bon. Mais chers, nous sommes en Christ Jésus. Plusieurs années déjà. Oh, hallelujah. Amen. Mais les bonhommes, je vous dis. Si cet esprit d'envie est en toi, la Bible dit, tu n'iras pas au ciel. Tu n'iras pas au ciel. Il y en a qui considèrent et la fornication et le vol seulement. Non. Non. L'envie, c'est un esprit dangereux et pernicieux. Déclare, je chasse l'esprit d'envie de moi. Je chasse l'esprit d'envie de mon âme. Papa, Père, que ton sang est sur l'esprit d'envie en moi. Priez maintenant même. Prie maintenant là où tu es. Yes, but Bob, my menu.
Dis à Jésus, cet esprit d'envie n'est pas bon. Dis à Jésus, l'esprit d'envie n'est pas bon. Que le sang de Jésus les sue de mon cœur, de ma pensée, de mon âme et de mon esprit. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Dites amen. 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 Il y a quelqu'un qui a volé et quelqu'un d'autre, lui, il est là pour l'apprécier, de répéter encore le vol. Si tu trouves, il faut prendre encore. Alors, si lui il était à la place de la personne, il ira prendre plus. Voilà, ça prouve que ce sont des frères qui se suivent. Nous sommes vraiment nombreux en Christ. Il n'est pas question de parler en langue, ni des prophéties, ni des visions, ni les différentes langues que nous avons, par les dons de guérison, mais ce qui est en nous doit être à l'image de celui que nous suivons. Parce que Dieu ne cautionne jamais le mal. Dieu n'aime pas le mal. Dieu se révolte contre le mal. La Bible dit, de Corinthiens 5, verset 5, quelqu'un est allé prendre l'épouse de son papa. Amen. Oh. Amen. Alors vous allez voir qu'à Corinthe, il y a un jeune homme qui a eu l'audace d'aller même arracher la femme de son papa. Au lieu que les habitants de Corinthe commencent par le juger en disant, mais jeune homme, ce que tu as fait là, c'est de l'ignominie, c'est de l'abomination, ça ne se fait pas. Ils ont commencé par le féliciter en lui serrant la main. Jeune homme, tu l'as bien fait. Nous avons appris que tu as arraché la femme de ton papa. Et le jeune homme était fier de ce acte là qu'il a posé. Mais quand Paul a été au parfum de cette information, il a dit que ça c'est de l'ignominie et je livre ce jeune homme au Saint-Esprit. Nous sommes en train de servi un Dieu. Et ce Dieu qui nous a appelés, nous devrions nous conformer à ce Dieu-là. Est-ce que vous me suivez?
Et tout ce qui se passe sur la terre aujourd'hui, la plupart des filles qui abondent dans le monde, elle n'a pas eu le désir d'aller vers elle, mais c'est la femme de son papa qui l'a convoité. Ça, c'est l'envie. Hein? L'envie. Vous allez remarquer que l'envie a plusieurs origines. Amen. Si toi tu ne pries pas afin que la racine de l'envie soit ôtée de toi, plus tard, elle finira par pousser. L'arbre qu'il est en toi, il va pousser. Tu commettras un acte mauvais et ton nom sera répandu négativement et ce sera une honte pour toi. Mais ce matin, les racines de l'envie seront arrachées de vous. La Bible déclare que dans notre cœur résident les bonnes choses et les mauvaises choses. Déclare, Seigneur, dans mon cœur, tel le péché était caché derrière le cœur de Caïn. Et tu as demandé à ce qu'il l'enlève. L'esprit d'envie, s'il est dans mon cœur, qu'elle soit arrachée maintenant. J'enlève mon esprit d'envie. J'enlève le mien maintenant. J'enlève le mien maintenant. Non, mais donc, alors, si tu ne pries pas à ce qu'il parte, il te poussera vers un mauvais acte. Il sortira de mauvaises actions pour te nuire. Ce qu'il a fait avec Caïn, c'est ce mal de mort. Cet esprit d'envie était en le serpent. Le serpent l'a transmis à la femme. Que le ciel arrache cet esprit qui est en toi. Maintenant même. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. En toute vérité, Dieu m'a clairement dit que les gens sont enviés. Alors, la nuit du vendredi jusqu'au samedi, Dieu me disait alors que certains sont eux-mêmes sont animés de l'esprit d'envie. Et ceux-là qui étaient ici le vendredi passé, j'ai eu à parler brièvement de cela. Je n'ai pas clôturé l'enseignement, je l'ai arrêté parce que je le ferai à petit coup. Nous allons maintenant prier afin que tu brises l'esprit d'envie qui te concerne. Parce que l'envie constitue un esprit qui suit un peu partout. Et d'ailleurs, si tu arrives quelque part, l'esprit d'envie va susciter des gens à t'envier négativement. Même les enfants de ton père et ta mère vont t'envier. Mais brise-le dans ta vie d'abord. Bah,
Maîtrise l'esprit d'envie de ta vie d'abord. Appelle-le par son nom, esprit d'envie. Appelle-le par son nom, esprit d'envie. Je te brise de ma vie. Je te détruis de ma vie. J'invoque le feu sur toi. Détruisez l'esprit d'envie. Kamboro katata. Rondara babara babeta. Bagbogboma. Brise l'esprit d'envie. Bagbogboma. Brise l'esprit d'envie. Bagbogboma. Brise l'esprit d'envie. Bagbogboma. Brise l'esprit d'envie. Desokoreji. Desokoreji. Invoque le feu sur lui. Losokoreji. Invoque le feu sur l'envie. Appelle-le par son nom. Appelle-le par l'envie. Je te chasse de ma vie. Partout où tu passes dans ma vie, je te plie bagage, je te chasse. Je te chasse. De la vie de mon épouse et mes enfants. Je te chasse dans le nom de Jésus. Amen. Dites Amen. Waode onyanu kudem bianti aleko wone ye nyato no gbogbona be nyatepe o khena mbia benu na mecha le trosu bosuba me ye gbonbena nu e yong de tan 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 yo de kucha ne mebe so wone kakabe o khem bia benu na me ara be mbia kporo ameado nbe a kene ki kya meto o khene na waware mi o mitro jimiade ni mi menya nyama ore ke mama we so de fi anambe mi acha mi agba mi ato Alors, lorsque les révélations concernant l'envie s'amplifiaient, j'étais allé vers un certain doyen pasteur. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Nous avons prié au nom de Jésus. Je disais tantôt que lorsque les révélations concernant l'envie s'amplifiaient toujours, j'étais allé vers nos papas, nos parents, afin de me renseigner concrètement. Et ils me disaient que dans le monde chez les païens, quand on constate qu'il y a l'esprit d'envie dans la vie de quelqu'un, on va faire des rituels afin de pallier à cet esprit d'envie. Et je me suis dit, si les gens de ce monde-là peuvent faire des rituels pour pallier à l'esprit d'envie, nous qui sommes enfants de Dieu, on doit aussi prier afin de briser l'esprit d'envie de notre vie. Et soit tu ne pries pas, cela va te concerner et l'envie va toujours te poursuivre un peu partout où tu passeras. Yes. Jamais. Bien sûr, je suis né en Christ, en Dieu, mais je n'ai jamais entendu lancer une pareille requête concernant l'envie dans une quelconque église. Mais c'est quand j'ai commencé mon ministère que le Seigneur me l'a révélé. Et à cause de l'envie, Caïn a été tué, Abel a été tué, Naboth aussi a été tué. Est-ce que tu vas te laisser faire afin qu'on te tue à cause de l'envie? Pour cela, déclare éternel. Moi, je ne connais pas les envieux. Mais toute personne qui envie pernicieusement ma vie, mon épouse et mes enfants, le travail que je fais, Yehovah. Éternel. Yehovah. Combat et affronte les envieux.
combat et affronte les endieux. Que Dieu se lève afin de détruire et de briser dans ta maison, la dans ta maison, dans ton service, dans ton marché, dans ton école, l'Éternel, détruit, brise, rakataka, sontaka babara babara babeka, Shenta la babara babara babeka, roko toro babara 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 baboya, lende lebe sekete lebe 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 lebe, lori no lobo sekete lebe beya, lombo borobo sokoto lobo lebe beita, lombro kondo lobo sekete lebe beya, lebe 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 lebe. Nous avons prié le Jésus pour coming. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Baba Yehova. Déclare éternel nos maladies, nos infertilités, les célibats, les chômages, les récessions, les endettements, les méventes, les infertilités, les crises conjugales. Si les envieux sont à l'origine de ces difficultés, au moment où dans ton projet tu veux faire du bien à tes enfants, tu as promis que cette année, tes enfants vont rire et seront dans la joie. Éternel Dieu, les envieux seront-ils plus forts que toi, Dieu? Brise complètement le complot. Les maladies, les célibats, les stérilités, les chômages, qu'ils s'en aillent, les pauvretés, ils se lèvent contre ta boutique, ils se lèvent contre ton atelier, ils se lèvent contre ta marchandise, ils se lèvent contre ton foyer conjugal, ton commerce, tes études. Rabakataka baba 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 baba. Tout cela qui s'ouvre des problèmes de l'envie. Oh, mais pour Mao Yehoa. Oh, Jesus. Le Jikum de Mbialao Pedodon. Je vois l'Éternel Dieu qui s'est mis en colère contre les envieux. Mao Gakpotoleve semé la bé, oh le fouamo de Mbiata. Et Dieu est toujours dans le chagrin parce qu'on te maltraite à cause de l'envie pernicieuse. Dans une minute, le combat s'engage à cause de toi. Sous la terre, dans les forêts et rivières, dans le monde spirituel et physique, Saint-Esprit. Oh, Jésus. Chapapaparababé. Cette fille, on l'envie pernicieusement. Cette femme. De ce jeune homme. Ce pasteur. Maman pasteur. Oh, Pipi-tia. Maintenant même. Non, non, le quelque chose se passe.
Ils ont détruit toutes nos bénédictions. 2024, cette année 2024, qui le veuille ou pas, l'Éternel déclare ton rire. Tu te réjouiras. Reçois ta joie maintenant. Reçois ta joie maintenant. Reçois ta joie maintenant. Reçois-la. Après le chaos, les voisins verront. Les gens de ton marché verront. Les camarades étudiants et élèves verront. Ceux à qui les tombeaux sont creusés. Ils t'envient pernicieusement et maintenant l'idée qu'ils ont, c'est ta mort. Ils ont menti. J'ai vu les écluses et les souffrir. Le Seigneur te libère de la tombe. Le Seigneur te libère du cercueil. Des milliers d'anges sont allés sur le terrain de combat. Partout où tu es sur la terre, et il t'envie pernicieusement. L'Éternel me charge de te dire que ton cœur soit pur. Que ton cœur soit pur. Que ton cœur soit pur. Amen. Leur complot n'aura rien contre ta vie. Leur complot ne s'accomplira point. Votre victoire n'est en la puissance de personne. Amen. L'Éternel sera ta victoire. Vous qui êtes malade, reçois la guérison maintenant même. Tu souffres d'une quelconque maladie. Tu as suivi des soins à l'hôpital en vain. Et jusqu'ici, tu n'es pas guéri. Quand tu viens dans le camp de prière, le mal semble calmé. Arrivé à la maison, quand les envieux te voient, ils t'attaquent méchamment et le mal se déclenche et s'aggrave. Ce matin, reçois la guérison. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Papa, mais bien, tu vas faire. Père, je demande la paix. Voici, ne va me dire, mais dit. Que ta main vienne sur tout le monde. Mais donc, mais la fille vient. Je prie maintenant même. Aïe, mais bien, tu vas faire, non, mais si, mais. Je demande la paix à toute personne confondue. Les fardeaux de tout genre que vous avez apportés. Yes, on a mis. Jésus vous a donné la solution. Quiconque est venu ici avec un problème, la réponse est d'ores et déjà donnée. Maintenant même, je confie tout le monde entier entre les mains de Dieu. Tous les chefs d'État, tous les ministres, les députés, les préfets, les maires, les soldats à divers niveaux, les rois et les chefs traditionnels. Je confie tous les serviteurs de Dieu qui travaillent pour le Seigneur de la vérité entre ses mains. Le monde entier. Avion accident. Les crashs aériens, naufrages des navires, accidents de véhicules et de motos. Que l'Éternel Dieu remporte la victoire. Pasteur
Je remets entre les mains de Dieu ceux qui ont de prière, les ouvriers, leurs épouses et leurs enfants, les pasteurs, les missionnaires, les différents comités qui travaillent en collaboration avec nous entre les mains du Seigneur. Différents comités sont entre les mains de Dieu. Que l'Éternel leur donne la victoire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, pour ne plus prendre assez de temps, nous allons rappeler seulement les annonces de la semaine. Demain déjà à partir de 10h à midi, la prière va commencer, la soirée de 17h à 18h. Le vendredi de 9h à 13h, la soirée de 18h à 21h. Et le dimanche de 8h à 10h30. Écoutez-moi. Pour tous ceux-là qui sont dans le camp de prière, veuillez pratiquer les règles.